Heureux les amis, heureux à tous les amis, c'est Brasier, votre gamer favori. On se retrouve donc pour notre let's play de Uncharted The Lost Legacy, la partie 13. Donc les amis, voilà, c'est reparti donc pour la suite de l'histoire de deux espions favorites là, qui tentent de résoudre une énigme assez complexe, je l'avoue. Je pense que je suis sur la fin de résoudre la petite énigme là, pour avancer dans le mode histoire. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si le let's play vous plaît vraiment, à le partager, de mettre le petit pouce bleu. Et voilà, bah, sur ce, donc on se retrouve donc à la fin de notre vidéo, comme d'habitude. À tout à l'heure. Ils ont vraiment sculpté cet endroit dans la montagne? Ouais, on dirait bien. Barricader la porte. Ça leur a pas servi à grand chose. J'imagine qu'ils ne s'attendaient pas à ce que les Perses débarquent par en haut. Après deux invasions, on aurait pu croire qu'ils s'étaient préparés à tout. Ou ils pensaient tout simplement qu'ils étaient invincibles. Par là. Je te suis. Eh, regarde. Désarmement. T'avais raison, Nadine. Ça m'arrive. Tout ça est perse? On dirait un mélange perse et Oïsala. Première ligne de défense. Voilà, là on avance. Hé, hey, encore une autre de ces portes. Voyons ça. Ah, super, enfin une qui fonctionne. Et voilà, enfin un peu de lumière. On se croirait dans une crypte. Les cryptes et les funérailles, c'est pas vraiment un truc hindou. Ils préfèrent la crémation. C'est une belle cérémonie, anti-eshti, un mot sanskrit qui signifie dernier sacrifice. Sacrifice? L'idée, c'est que nos corps sont des véhicules qu'on emprunte et qu'on rend ensuite pour que d'autres en profitent. De bien beaux sentiments. Trop tard pour ces pauvres types. Hé, hey, là-haut. C'est quoi tout ça? Merde. C'était ici, leur dernier combat. Ça a pas suffi à sauver leur empire. Bon, tant pis pour eux, tant mieux pour nous. Voilà notre entrée. Nadine, tu m'aides à déplacer notre ami?
Bien sûr. Allez, mon petit vieux. Et voilà. Pousse-toi. Désolé. On doit se rapprocher. On est plus proche que ces types. Ce mécanisme me dit quelque chose. Espérons que ça ne va pas ouvrir l'eau là-dedans. C'est différent. C'est quoi tout ça? Eh bien, je suppose que c'est une sorte de mécanisme qui sert à ouvrir cette porte. Ok, sur la gauche, on a Shiva offrant la hache à Parashurama. Et sur la droite, on a Parashurama coupant la défense de Ganesh. Attends, avec la hache? Ouais. Celle que Shiva, le père de Ganesh, a donnée à Parashurama? Ouais. C'est tordu. C'est ça, la famille. Allez, on essaie d'ouvrir cette porte. Alors, comment ça marche? J'imagine qu'on découvrira au fur et à mesure. Voyons ce que ça fait. Bien, ça a fait glisser la pièce loin de moi. Ton ombre a bougé aussi. Essayez ça. Toi, tu vas là. Je comprends ce qui se passe. Cette ombre correspond de presque. Bien. Voyons si j'arrive à toutes les aligner. Ça a l'air vraiment en fait. Y a pas de place pour cela. Et maintenant, ça va rien donner. Non. Ça glisse pas plus loin. Thank you.
J'ai une idée. Attends un peu, je ravale ma fierté. Il faut que tu bouges les pièces pour que les ombres s'alignent avec les formes sur la fresque. On dirait qu'à gauche, Shiva, c'est Parashurama. À droite, ça doit être Parashurama, la Défense et Ganesh. Je vois. Tu devrais trouver quelle pièce va au milieu et déposer d'autres pièces dans l'anneau extérieur. D'accord, je vais essayer. Les deux symboles au centre de la fresque sont la hache et la défense. Alors, quelques lieux doivent avoir des éléments de chaque. Je crois que c'est bon. T'as réussi. La porte est ouverte. Ouais, mais sans que tu m'aides une seule fois. Pas une fois. Il n'y a pas de quoi. Sala et le tigre. Allons-y. Croise les doigts.
normal, ça? J'en sais rien. Va pas nous faire tuer. Rabat-joie. Prête? Oh. Wow, wow, wow. Fais gaffe. Incroyable. Nom d'un Shiva. J'allais le dire. Cette défense. J'en sais rien, tout ça n'a aucun sens. Si, bien sûr que si. Léo et Salah se paient notre tête, voilà. Je crois que t'as raison. Ah, super. Attends, écoute-moi. Ganesh est l'emblème de... Allez, Bidou. Et Shiva, c'est celui de... Bélour. Bélour, l'ancienne... L'ancienne capitale. Exactement. Et si le roi avait construit cette ville spectaculaire, et que c'était devenu une cible idéale pour les Perses? Pour qu'ils oublient l'ancienne capitale. Toute cette ville ne serait qu'un leurre. Peut-être qu'ils l'ont laissé se faire piller, pour protéger Bélour. Et leur trésor. Je suis prête à parier que la défense a toujours été ailleurs. Toujours. C'est où, Bélour? Merde. Là, je suis sûre que c'est pas normal. Il va tomber. Accroche-toi au bord, vite. Je vais bien. Vas-y. Tu vas bien? Comment on a fait pour survivre? Le talent... et un brin de chance. Hé... Hey. C'est du beau travail. Beau travail. Mon sac. Bon sang! Oh, tu visais quoi? J'ai trop la honte pour toi. Oh. Hey. Je peux me tromper, mais... Il n'y avait pas une chute d'eau ici? T'as raison. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des aqueducs. Ils sont là pour récupérer l'eau des chutes. Incroyable. J'en reviens pas de ce qu'on a fait. Bah... C'est moi qui ai tout fait. Frimeuse. Écoute, pardon si j'ai touché un point sensible tout à l'heure. Oh. Ça fait rien. Je crois que vous vous seriez bien entendus, tous les deux. Il était con et arrogant comme toi. Je suis
sûr que tout ça n'est pas passé inaperçu. On ne devrait pas traîner ici. T'as raison. Suis-moi. L'eau est canalisée vers la porte. Alors, on n'a qu'à suivre l'aqueduc. Bien reçu. Je passe devant. Alors ils ont inondé leur ville pour protéger leur secret. Tu crois que les soldats savaient qu'ils servaient de leur... L'honnêteté n'est pas toujours la solution. Ouais, peut-être. Mais regarde cette montre. J'ai pris un vieillard en ville. Vieil enfoiré, il l'a pas lâché facilement. Ouais, je me rappelle. T'en doutes ou quoi? Je vois pas la défense. Tu la vois? Je dis juste que j'ai pas signé pour une simple montre. On l'aura, notre récompense. J'espère, ouais. Putain! Ça marche aussi. Bon travail. Il y en a sûrement d'autres. D'accord. C'est réglé. Fais-moi le malin, hein ? Okay.
Une idée. Mais au moins, on n'est plus dans la ligne de tir. Le truc gravé sur le sol, c'est quoi d'après toi? Ça présage rien de bon. Tu vois ces canaux? À mon avis, ils sont pas là pour conduire de l'eau. Oh. Là-haut, je crois qu'il y a un passage. Ok. Il y a de la lumière là-bas. Pauvre type. Je sais pas. Je préférerais moisir en prison plutôt que de me faire torturer. J'en prends bonne note. Attends. Oui. Voilà notre indique. Là-haut, il y a une brèche. Oh.
fille de Shiva. Impressionnant. Mon expert n'a rien trouvé en une semaine. Vous devriez peut-être en engager un autre. Possible. Vous savez, il existe un poème Oïsala qui parle d'un jeune roi. Il était bon, alors il mit fin à nos rituels. Mais les anciens rois, eux, savaient que le progrès exige des sacrifices. C'est ça que vous dites à vos hommes ? Très bien. Alors, pendant les guerres, ces aqueducs charriaient du sang dans toute la capitale. Car ceux qui ne se battaient pas devaient alors servir d'exemple pour tous les autres. Finissons ça. Rends-moi mon disque. Allez, viens. Coup dans le vent. Tu es fier de toi? Un peu, ouais. Allez. Une anguille. Pour régner sur un peuple, il faut d'abord répandre le chaos. Attendez! Je vais provoquer une guerre civile. Ensuite, j'éliminerai la misérable lignée du jeune roi. En commençant par vous. Tiens! Accroche-toi à quelque chose! À n'importe quoi! Vas-y doucement. T'étais inconscient depuis une demi-heure. Une demi-heure? Ouais. Oh, merde. Oh, merde. Ah, ça m'a pris le disque. Calme-toi. Oh, il faut qu'on le poursuive. Tu calmes. Tu vas tenir le coup? J'ai connu des soirées plus mouvementées. Je veux pas savoir. Je suis contente que t'ailles bien. T'as une sœur jumelle, non? Ouais. Ok. Récupérons ce disque. Et des armes. Et des armes. Je voulais te dire... T'avais raison à propos d'Assav. C'est vrai. Il paye vraiment pas de mine. Tu trouves aussi? C'est exactement ce qu'il veut. Je
suis sûr que ces lunettes lui servent à ça. Pour avoir l'air plus inoffensif ou plus futé? Les deux. Il est intelligent. Il était docteur avant d'embrasser sa cause. T'es sûr que tu peux continuer? Mais oui, ça va aller. Faut juste que j'y aille mollo quelque temps. Donc voilà, nous arrivons au terme de ce let's play. Si celui-ci vous a plu, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, le commentaire, c'est très important pour savoir si le let's play vous plaît vraiment, les amis, que je sache, que je puisse continuer tranquille. Donc il faut me dire ce que vous aimez le plus, que je le fasse pour vous faire plaisir et pour me faire plaisir également. Enfin, moi, ça me fait plaisir, le jeu me plaît vraiment. Enfin, les jeux que je vous fais en let's play, ils me plaisent vraiment. Donc j'espère qu'ils vous plairont aussi. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire, de mettre le petit pouce bleu, le partage, tu connais. Donc voilà. N'hésitez pas encore abonné, n'oublie pas. Tu fais ça en bas à droite, c'est totalement gratuit. Et sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée. Portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.